Coucou mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On s'est mis sur le 31 pour ce soir. On a sorti la chemise, voilà, le petit gel. Voilà, donc nous, on va faire de suite, c'est le débriefing du quintet du jour. Donc, l'arrivée de ce quintet d'aujourd'hui, le gagnant, le 7, My Match, voilà. Moi, j'avais dans l'outsider, pas mal, hein, c'était le plus riche du lot. Donc, je crois qu'il gagne à 25 contre 1, je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, un bon petit outsider qui gagne. En deuxième position, est venu ce 8, Intrinsèque. J'avais dit que c'était le spécialiste de Cagnes-sur-Mer. Soir dans le quintet, ben, il fait deuxième, tant mieux. Troisième position, ce 6, Bounouel. Voilà, entraînement en forme. Et grosse réussite à Cagnes, il fait troisième. Donc, on va dire que déjà en 5, vous pouvez avoir le tiercé des ordres. Voilà. Après, il y a ce 2 qui court bien, Le Mans. Il y a ce 16. Cosirano de Pal qui fait cinquième. Voilà. Donc il nous manque on va dire le quatrième, le cinquième. On a les trois premiers. Donc on va se contenter du tiercé des ordres qui fait, voilà, c'est pas négligeable. Je crois qu'il fait 95 euros. 95 euros. Donc voilà. On se retrouve pour ce quintet de jeudi, ce sera le prix de Salvanac sur la piste des 2700 mètres. Voilà, ce sera une course de femelle européenne. Sur la distance des 2700 mètres grande piste, comme je vous ai dit, au total, je crois que là, cette fois-ci, ça fait un peu le plein, même pas, non, 13 partants encore une fois, dommage. Même si c'est des bons lots, hein, voilà, ça fait que 13 partants, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, faut faire avec. Donc nous, on va faire de suite le prono de ce quintet. Alors, pour ce débriefing du quintet de jeudi, pas débriefing, pronostic, excusez-moi. Alors, mes trois bases, ce sera le 9, Douceur du Chêne, Écurie en forme, Fandango du Chêne, hein, qui vient de gagner dernièrement, Imbattable avec Franck Nivard quand c'est des déferrés des quatre. Voilà, Douceur du Chêne, une jument voilà, qui fait toutes ses courses. Je pense qu'elle peut encore gagner ce quintet-là. Derrière, je vais mettre ce 10, Darling Berry. Jean-Michel Bazir-Ozulki, déféré des 4 pour l'occasion. Ça doit lutter pour la victoire. Il faut savoir que ce duo, dernièrement, voilà, ils ont couru ensemble. Donc, Douceur du Chêne avait gagné Darling Berry. Donc, je remets encore les mêmes. Voilà. Après, je mets ce 8, Daskalia, un duo de choc avec Eric Raffin. Il la connaît par cœur. Attention, cette jument a couru, voilà, les courses niveau groupe 3. Donc, elle a de la qualité. Les outsiders, je mets ce 3, Weldon Lamarque. Il a le meilleur chrono du parcours, 1-12-8. Ce 5, Althea de Piencourt avec Junior Guelpa, celle-là, c'est une jument que j'ai repérée déjà de Meeting d'hiver. Elle court deux fois très bien là, déférée des 4. Elle a un finish d'enfer. C'est-à-dire qu'elle fait que les 400-500 derniers mètres et elle vient ramasser les morts. Je pense que ça peut encore le faire. Attention. Et je mets ce 11 de Kumba Cookie avec Angel Poupou. Hein. Lui, c'est un driver qui ne tue jamais ses chevaux. Il fait lui aussi. Hein. Franchement, voilà, il a une bonne main. Logiquement, pour moi, elle aussi, elle doit rentrer dans la bonne combinaison. Le 11, Kumba Cookie. Voilà pour mes 6 chevaux pour le quintet de jeudi. Voilà les amis, en bas, comme d'habitude, mes pronostics. Avec mes jeux, tiercé, quarté, quintet, 2 sur 4, couplet gagnant placé. Alors, le challenge 2 sur 4, on avait dit le 14 et le 8, je crois, Intrinsèque. Donc, Intrinsèque qui est en deuxième. Voilà, c'est bien, mais le 14, je crois, à la rue. Hein. Donc, qui passe pas, encore une fois. Donc, c'est sûr qu'en et en place, ça a du mal, 2 sur 4, hein, mais bon, c'est comme ça. J'espère le trou. Hein. Donc, le 2 sur 4 pour jeudi. On va mettre ben, les deux juments, je pense que ça va être au moins dans les 4, sauf gros accident. Donc, je vais mettre ce 9, Douceur du Chêne, déféré des 4 avec Nivard, imbattable. C'est du 3 sur 3. Hein. Ils ont couru 3 fois comme ça, 3 fois, ils ont gagné. Et je vais mettre ben, le 10 à Darling Berry. C'était l'arrivée dernièrement. Voilà, c'était Douceur du Chêne qui battait Darling Berry avec Jean-Michel Bazir. Pareil. Darling Berry, cette fois-ci, revient défaire des 4 avec le roi. Ça sent même un bon couplet caisse. Voilà, couplet gagnant placé pour ceux qui veulent faire. Allez-y. Moi, ce sera le 2 sur 4. Voilà, de cette course-là. Voilà, mes amis. Donc, moi, comme je vous ai dit, bon jeu et bon pronostic. Voilà, ce soir, doucement. L'alcool, ouais, le foie gras, tout ça, les huîtres. Sinon, après, on va avoir mal à la tête demain. Allez, les amis, ciao!